man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. The crowd is deafening, Al. This is going to be an incredible race. This is modern entertainment. Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Et pas GTA Online, pas exactement, parce que je vous le dis de suite en début de vidéo, les véhicules que vous voyez dans cette vidéo ne sont pas encore disponibles. Ah, parce qu'à chaque fois on me pose la question, oh elle est disponible, elle est disponible. Non, si elle est disponible, je vous tiendrai au courant de toute façon. Là je vous le montre, vous voyez, en plus je suis avec Franklin, je suis dans un mode menu. Voilà, c'est un mode menu, c'est ce qui me permet de récupérer les véhicules qui sont dans les fichiers et qui sont pas encore sortis. Voilà, je voulais être clair avec ça dès le départ. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'un de ces quatre véhicules. Donc là je vous présente, je vais vous montrer en même temps les autres. Hein. Donc ça c'est la tulipe. Voilà. Celle-ci, on va s'en occuper pour cette vidéo. Là on a la Schlagen. Donc, voilà, c'est une Mercedes. Et ici, on a la Deviant. Donc voilà, en tout, il manque encore 5 véhicules à sortir sur le GTA Online. Donc les voici, en voici 4. Je vous montrerai le cinquième à la fin. Parce que j'ai peur que ça fasse despawner l'un des autres. Et que ça fasse despawner celle-ci. Donc, je vous présente la Devest Height. Qui est un easter egg que je vous présenterai le jour de sa sortie. Aujourd'hui, je vais juste vous la montrer plus en détail pour que vous la voyez comme il faut. On va la monter ensemble. De toute façon, je vous tiendrai au courant dès qu'elle sera disponible en online, comme d'habitude. Donc allez, on est parti, je sors le mode menu. Véhicule option. Menu custom. Et on commence, aileron. Alors, on a aileron minuscule. Aileron agressif. Aileron agressif couleur 1. Aileron en carbone, aileron aérodynamique, aileron de compétition, aileron large, aileron GT, aileron motif GT. Alors ça, c'est sûrement parce qu'il y a des motifs, donc on va le laisser comme ça pour l'instant, on verra après, on rechangera par choc avant. Lame couleur principale, donc c'est la lame qu'on voit passer au milieu. Voilà. Couleur secondaire. Lame noire. Lame en carbone. Bon, on va mettre en carbone. Pare-choc arrière. Diffuseur couleur principale. Ok. Secondaire. En carbone. Ailette couleur 1. Couleur de... Ah ouais, ok. Ça, on peut, c'est pour changer. On va mettre comme ça. Échappement. Chrome court titane, court or allongé. On voit pas trop la diff hein. Avec le truc dedans allongé or réacteur. Ah j'en étais sûr. Réacteur or, réacteur en titane. Bon, on va mettre en titane. Mais on voit pas trop la diff, mais bon ouais, voilà là, c'est. On voit clairement que c'est deux gros réacteurs maintenant. Finition couleur principale. Ok, alors attendez, ça c'est quoi? Ah ok, ça rajoute des pièces. Couleur secondaire. Finition, on va mettre carbone. Bande lumineuse. Couleur 2. Bande lumineuse, couleur 1. On va laisser couleur 2 parce que je suis curieux de savoir ce que c'est ça. Moteur, on le met à fond parce qu'on ira la tester après. Frein, pareil. Transmission, de même. Klaxon, on s'en fout. Suspension, ouais, on va la baisser même si c'est bon. Voilà. Vous avez vu là, c'est bizarre parce qu'il n'y avait qu'une façon de descendre la suspension. Blindage à fond. Peinture, on verra après. Attendez, peinture, on va la mettre blanche pour le moment histoire de pouvoir. Voilà. Histoire de pouvoir voir les motifs, s'il y en a, je sais pas s'il y en a. Hop,
mais non, mais c'est vraiment histoire de window noir emblème. Ok, voilà. Extra, bah y'a rien. Turbo, Fark Xenon. Ah voilà, maintenant vous voyez, on peut même changer la couleur sur ces phares. Bon bah ça on verra après, quand on aura choisi type de plaque. Il y a des plaques là-bas derrière? Non, il n'y a pas de plaque, c'est qu'à l'avant maintenant. Il n'y a même pas de plaque en fait. Ah ouais, il n'y a pas de plaque sur cette bagnole, je crois bien. Bon. Venise mode. Allez, on va à motif. Allez, on est parti. Ligne rose. Ok, ouais, ça fait quatrième dimension le délire. Grub sèche. Ça, c'est le truc de... Ah, c'est marrant, ça, tiens. Truc de sécurité, des camions de sécurité. Plus 9000. Plus 9000. 9000 quoi, chevaux? Ça fait beaucoup 9000 chevaux. C'est bizarre ce truc, bande jaune, rouge, ça c'est sympa avec plusieurs tons comme ça, j'aime bien, vraiment ça c'est des bonnes idées, des bonnes idées. Je vous le montre, comme ça je fais le tour. Bande luxe, oh stylé. Ah ouais, pas mal. Il n'y a rien d'autre, c'est juste la bande devant. Ligne grise, ok. Donc c'est pareil que les roses mais en gris. Bande négative. Ah c'est pas mal ça est. Ah ouais. On va faire le tour. Sunset à 9. 9. Ouais, c'est un truc de luxe, c'est des sponsors ça encore. Avec le diamant derrière. Junk. Oh. Oh, energy drink. Junk. Putain, franchement, c'est pas mal avec le toit comme ça, là. C'est stylé, ça. Emunation. What the fuck? Ah, ça ferait presque un truc Ferrari. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai envie de mettre celui-là, moi, allez. Ah oui. La peinture générale. Primaire. Métal. Non, métallique. Noir. Ah, ok. Ah ouais, ça fait chelou avec l'effet négatif, hein, putain. Ouais, il est stylé comme ça. Moi, je vais la laisser comme ça. Allez, on va le mettre comme ça. J'aime bien. Hop, du coup, les couleurs secondaires. Ah vous voyez, ça colore l'intérieur des réacteurs. Ah les rétro aussi. Donc du coup faudrait peut-être faire un sunrise orange là comme ça, foncé sur les rétros. C'est stylé, ouais c'est pas mal. Allez. Ah ouais, ça fait avec l'effet perlé, ça fait un effet négatif même sur les côtés, vous voyez. C'est violent. Ah ouais, ok.
Ouais, on va remettre en noir, on va rester sur un truc simple. On va rester sur un truc simple, pas partir dans des délires. Du coup, néon, bah on va le mettre en orange. Voilà. Les jantes. Height end. On va mettre comme ça. Voilà. Et voilà. Pour la Devest Height. Super sportive. Je vais descendre pour vous la montrer. Après, on va faire un tour. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà la Devest Height. Super sportive. Elle est vraiment magnifique. Et alors... L'easter egg hein, est vraiment bien réussi. Je vous montrerai quand elle sortira de quelle voiture il s'agit. Mais voilà, c'est une voiture qui est incroyable. Allez, on va aller faire un tour. Je vous montre l'intérieur. On monte dedans. Chut. Regardez-moi ça. Oh, le petit bruit, ça fait plaisir. Hein. Franchement, voilà, sympa l'intérieur. Allez, on va faire un tour dehors. Allez, on est parti pour le test. Il faudra voir si on peut aller dans l'arène avec pour mettre des noces et tout. Ah, on est parti. Alors, collé à la route par contre, hein. Vraiment, pas l'air trop bronché, hein. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu pour la présentation de la Devest Height super sportive principe. Voilà, bah merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce véhicule et des autres que je vous ai montré vite fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur GTA 5. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite. Ciao.